Somme, chapitre 139, et nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 18e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Éternel, tu me sens et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Amen. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Amen. Conduis-moi, Seigneur. Ô Jésus, conduis-moi. Amen. Conduis-moi, Seigneur. Ô Jésus, conduis-moi. Jésus, conduis-moi. Soir, notre Père et notre Dieu, que ton nom soit exalté, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui appelles les choses qui ne sont point encore Jésus-Christ. Tu es réellement le donateur de tout nom excellent, le précieux Seigneur, c'est toi, le glorieux Maître, c'est toi, notre Dieu. Ce soir, nous inclinons encore devant ton trône de grâce pour te dire encore merci, Seigneur. Merci pour la grâce dans ta maison à ta fête. Bénis richement, mon précieux frère Christian. Que ton nom soit béni encore pour les chants et les cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce, mon Père. Et tu l'as offert aussi avec tout le peuple, de tout leur cœur, mon béni, mes Pères, divissant, avec autant d'amour, autant de zèle devant ton trône de grâce, mon Seigneur. Tu es le Dieu qui agrée, mon Père. Béni soit ton Saint-Nom. Louange à toi encore ce soir, notre Père. Ce que tu dois accorder la grâce, voir encore chanter en ton honneur. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu, Seigneur. Tu demeures le véritable Dieu. Il s'est fait connaître aussi à nous, notre Père, pour que nous puissions t'adorer selon ta parole à toi, mon bien-aimé Père. Louange à toi que nous as ainsi instruit, mon bien-aimé Père Saint, à marcher vraiment avec toi. Aujourd'hui encore est un jour de grâce, mon Père. Merci encore pour chaque frère. Merci encore pour chaque sœur. Merci encore pour tout ce que tu as fait pour nous, Père. Oh Dieu,
Si vous comptez le nombre de ce que tu as fait pour nous bénir, mes frères puissants, ils sont tellement si innombrables, mon sauveur. Jusqu'à ce jour, tu continues encore d'agir, Père. Tu nous as gardés, tu nous as nourris, tu nous as vêtus, Seigneur. Tu nous as protégés, mon roi. Et tu nous as aussi bénis, oh notre Dieu. Ta main est favorable pour nous, mon bénévole Seigneur. Merci pour nos enfants, mon précieux Seigneur et sauveur. Merci encore pour la bonne santé, oh notre Dieu. Nous te remercions pour chaque frère, pour chaque soeur encore ce soir, bénévole Père puissant, dans chaque pays, dans chaque lieu, dans chaque continent qui est encore en connexion aujourd'hui, Père, qu'il soit aussi béni au bien-aimé Père Saint, là où il se trouve encore aujourd'hui, mon Père Saint. Béni soit-il encore pour le psaume, mon bien-aimé Seigneur. Tu es vraiment le Dieu qui connaît tout, Seigneur. Tu pénètres le cœur de chacun de mes corps, Dieu, le pensée le plus profond, mon bien-aimé Seigneur. Tu le connais aussi, mon bien-aimé Père Saint. Tu es le Dieu qui donne encore la paix, Seigneur. Béni soit ton Seigneur encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours merveilleux lorsque nous retrouvons la maison du Seigneur. Nous souvenons aussi de tous les bienfaits. Le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir avoir. Nous souvenons aussi de sa grande visitation aussi. De ce qui nous a visités aussi, c'est mardi, je pense. Amen. Nous le remercions vraiment. Cela nous a fait beaucoup de bien. Amen. Et nous réalisons combien il est tellement si bon que son Seigneur soit béni pour ce jour de grâce qu'il nous accorde. Et ce que nous soyons encore rassemblés, nous lui supplions de pouvoir réellement nous aider. Amen. À ce que nous puissions encore ce soir le servir et surtout l'adorer de tout notre cœur et lui donner ce qu'il attend de nous, comme nous l'avons entendu dans les psaumes. Il connaît la parole avant même qu'elle monte effectivement de notre pensée pour qu'elle soit exprimée et la connaît entièrement. Que Dieu bénisse nos frères qui sont venus de loin. Je pense que nous avons nos bien-aimés qui sont venus du pays de l'autre côté de la Grande-Bretagne. Que le Seigneur le bénisse. Je pense que c'est mon frère André qui va être là. Que Dieu te bénisse richement. Mon bien-aimé frère Abdel aussi, c'est là. C'est Abel Abdel. Hein? Abed, merci, que Dieu te bénisse. Et je pense qu'il y a aussi un autre frère qui doit l'avoir accompagné. Si le frère est ici, s'il peut se lever, que je puisse le voir. Il vient le vendredi soir. Pardon, mon frère. Il vient le vendredi soir. Ah, il veut le vendredi. Merci, frère, parce que j'ai pu entendre que le frère allait venir avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de pouvoir vous avoir ce soir parmi nous. C'est vrai, je suis toujours le nom à tel, mais c'est Abed, hein. C'est cela, mais que le Seigneur soit béni pour cela. Que le Seigneur vous bénisse pour le trajet que vous avez aussi fait pour venir aussi parmi nous, afin que nous puissions avoir aussi ce temps de communion ensemble. Nous remercions notre Dieu. Comme nous le disons si souvent, chaque jour qui passe ne se ressemble pas. Amen. Nous savons que c'est sûr et certain que chaque jour qui passe nous rapproche davantage de la venue de notre Seigneur. Amen. Nous le supplions et nous prions pour qu'un. Il nous accorde la grâce de pouvoir toujours nous trouver effectivement dans sa pleine volonté quand il viendra. J'ai été touché aujourd'hui, j'ai eu aussi un de nos frères qui est en Espagne, c'est le frère Trésor, et il était tellement dans la joie parce que j'ai pu l'avoir au téléphone. Et ce qui me touche, ce qu'il dit, mais je me prépare effectivement de pouvoir déjà être dans l'Assemblée. Alors vous savez, quand quelqu'un vous dit cela, vous disiez, mais oui, mon frère, et puis, il dit, effectivement, nous avons donc réunion le mardi, et le jeudi et aussi le dimanche. En fait, le frère se mettait donc en connexion, comme le frère était déjà ici pour conduire effectivement la réunion. Nous avons beaucoup de frères et de sœurs dans différents endroits, mais effectivement, qui se donnent aussi de tout leur cœur à pouvoir servir le Seigneur. Et surtout entendre la parole de Dieu. Il me rendait aussi témoignage de ce qu'il a eu à pouvoir aussi expérimenter par la grâce que Dieu lui a accordée depuis les temps qu'il a eu à pouvoir aussi se connecter aussi et écouter la parole de Dieu. Nous remercions notre Seigneur de ce qu'il nous soutient, il nous accorde réellement aussi le secours. Amen. Et je prie qu'il nous aide encore davantage. Amen. Parce que je pense que
Nous avons besoin aussi de la guérison divine. Amen. Dans notre corps, le Seigneur, notre Dieu, puisse étendre effectivement aussi sa main. Je crois que nous aurons le temps de pouvoir prier pour cela. Je prie que le Seigneur m'accorde cette grâce. Je devrais normalement partir pour ce mois de juillet ici en voyage. Tout était déjà prévu, effectivement, et comme je l'ai dit. Mais j'ai eu un souci, effectivement, c'est dans le corps physique. Et je pense que les choses ne pouvaient pas être possibles du côté de l'état, effectivement, de la personne. Nous prions que le Seigneur nous accorde la grâce. J'ai eu à pouvoir demander aux frères s'ils pouvaient accepter que je puisse juste postéposer un peu, de manière à ce que le Seigneur accorde la grâce pour que cela puisse réellement se faire. Mmh. Ça n'a pas été aussi, vous savez, facile aussi, parce que les choses ont été telles que, comme ce sont beaucoup d'églises et beaucoup de prédicateurs aussi, et le programme était annoncé effectivement, mais le Seigneur a accordé la grâce qu'il puisse quand même accepter, qu'on puisse arriver à pouvoir postéposer un petit peu pour que les choses rentrent vraiment dans la place. Mais nous avons confiance en notre Dieu. Amen. Il nous soutient, il nous aide effectivement pour que le lendemain soit aussi meilleur, parce qu'il y en a beaucoup de par le monde. Comme j'entendais mon frère le trésor qui me disait, frère, nous prions pour que le Seigneur t'accorde encore beaucoup de jours sur la terre. Amen. Je reste encore longtemps. J'ai dit que Dieu te bénisse, frère, qu'il écoute bien. Amen. Et c'est ce que lui veut. Amen. C'est sa volonté à lui qui doit s'accomplir. Amen. Et nous le prions pour qu'il puisse nous aider davantage à pouvoir réellement aussi en accomplir sa propre volonté. Amen. Nous sommes un peuple, comme nous le disons si souvent, privilégié. Et nous vivons réellement des moments tout à fait bénis. Nous avons un Dieu qui est tellement si puissant que nous voulons encore davantage qu'il puisse agir aussi dans la vie de tout un chacun. Nous avons besoin de ce que ces dieux de la Bible aussi puissent se manifester encore dans la vie de chaque fils et chaque fille de Dieu, et que chacun puisse vraiment avoir une expérience véritablement palpable de ces dieux, de sorte qu'il soit réellement aussi sûr et certain de son Dieu en qui il a réellement cru. Nous le remercions parce que nous, ce n'est pas la lettre, nous avons la parole de vie. Amen. Et cette parole de vie que nous recevons, nous ne venons pas par habitude, mais nous venons parce que nous avons soif. Amen. Pour pouvoir réellement entendre la parole de Dieu et que puisse réellement aussi trouver place. J'étais tellement touché parce que, d'abord, c'était dimanche, parce que je remercie vraiment le Seigneur, notre Dieu. Notre sœur Maïté, vous connaissez, et alors il m'avait téléphoné qu'elle voulait me voir déjà dimanche, que Dieu la bénisse. Depuis le début de la semaine, elle a téléphoné parce qu'elle tenait à pouvoir me voir. Alors elle est venue dans mon bureau, et c'était dimanche, et tout calme leur entrée. Et puis bon, j'ai commencé à parler avec Virginie, comment ça va? Alors il me dit, frère, je viens te parler parce que c'est quand même merveilleux de voir que depuis que j'ai commencé à pouvoir venir à l'Assemblée, en tout cas, ma vie a commencé à changer. Je sens que quelque chose de Dieu a commencé à prendre place. Il dit, même pour venir à l'Assemblée, je prends plaisir. J'aime Dieu, j'aime la parole de Dieu. Il dit, mais regarde même mes vêtements. Il dit, je porte de nos vêtements. Au travail, on me parle, oh, tu es comme une vieille. Je dis, je n'ai rien à faire. Il dit, je me sens. Il dit, je me sens bien, mon frère. Je me sens très bien. Je l'ai regardé, il dit, oh, j'aime Dieu, je sens que les choses de Dieu. Et puis il me rend témoignage, il dit, maintenant, par exemple, là, je prie Dieu. Par exemple, il y avait une situation, j'ai dit, Seigneur, touche le cœur de mon mari quand il viendrait, que ça soit. Et puis, il dit, je suis monté en haut pour aller prier. Alléluia. Il dit, Seigneur, je sais que c'est compliqué, mais toi, tu es capable de toucher les cœurs de mon mari, qu'il soit doux quand je lui parle, qu'il dise que tout va bien. Il dit, frère, tu sais quoi? Mon mari est venu, je lui ai parlé, il dit, mais ce n'est rien. J'ai dit, Dieu entend les prières. Il dit, je prie, Dieu entend.
il dit, je me sens bien moi-même, la parole, j'aime. Et quand je suis assis, j'écoute la parole, je sens que je sais que Dieu me parle. Il me parle, amen, moi. Amen. Je sens que je suis un enfant de Dieu. Amen. J'ai dit, tu l'es, ma soeur. Amen. C'est dimanche, elle sera baptisée. Hallelujah. Ah, c'est merveilleux, amen, de voir l'action de Dieu, effectivement, amen, dans la vie de tout un chacun de nous. Lorsque nous nous tenons dans la présence du Dieu vivant, on ne peut pas retourner comme nous étions. Vous savez, les témoignages que j'entends dans mon bureau, c'est une reconnaissance que nous sommes censés pouvoir avoir à l'endroit de notre Dieu. Alors quand mon frère, vos amis, j'ai dit, j'ai une très bonne nouvelle, il ne savait pas historique, j'ai dit, c'est la bonne nouvelle. De voir combien Dieu agit effectivement pour nos enfants et en accordant la grâce. Et cela, nous, comme nous l'avons souvent eu à pouvoir le dire, nous ne réalisons pas en fait. Mais le Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, est à l'œuvre pour achever effectivement ce que lui, il a commencé et il appelle effectivement ceux qui sont à lui. Et son travail se fait de plus en plus effectivement. Et la Bible a toujours raison parce qu'elle dit que Dieu fait toutes choses par sa parole puissante. Et c'est par cette parole, effectivement, que le Seigneur fait son œuvre et il va certainement achever son œuvre. Mais nous qui nous mettions effectivement dans la position de pouvoir réellement recevoir, alors il travaille. Mais il y en a de ceux qui ne prennent pas attention, il y en a de ceux qui prennent attention, sûr et certain qu'ils continuent à pouvoir travailler pour que nous puissions nous atteindre effectivement les stades auxquels Dieu veut que nous puissions atteindre. Dans le livre d'Ephésiens, je voudrais lire avec vous une écriture ici, dans le livre d'Ephésiens, au chapitre 4. Ephésiens, chapitre 4. Je voudrais que nous lisions à partir du verset 1. Ephésiens 4, verset 1, il dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. » Amen. Précieux Sauveur, combien nous t'aimons, Maître béni. La grâce que tu daignes nous accorder encore aujourd'hui de pouvoir nous retrouver, rassemblés en ces lieux avec ton peuple Père, et aussi avec tous nos précieux frères et sœurs dans différents pays, Seigneur, qui ce soir sont aussi en connexion pour pouvoir avoir communion avec toi et aussi avec nous, par ta parole à toi, mon béni Seigneur. Mardi, nous te remercions parce que tu as fait de merveilles, Père. Te rassembler avec nos frères qui viennent de l'Allemagne, Seigneur Jésus, tu nous as vraiment bénis, ta sœur. Bénis-nous encore ce soir, nous te remercions pour la visitation encore, mon précieux Seigneur de Sobar, et nous voulons que cette flamme que tu as vraiment utilisée, le Père, puisse encore davantage brûler dans nos cœurs encore, mon béni Seigneur. Fortifie mon frère, fortifie aussi ma sœur, ainsi que nos enfants. Alors nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, quand le Seigneur rentre dans le cœur et l'âme de quelqu'un, les choses sont différentes. Et alors la vie de la personne n'est plus pareille. Et cet homme ou cette femme, vous ne le suppliez pas pour pouvoir réellement se donner ou aux choses de Dieu d'une certaine manière ou d'une autre, mais c'est avec empressement que la chose se fait. Alors ici dans Ephésiens, nous lisons cette écriture, nous aimons beaucoup la parole de Dieu, et comme nous pouvons le réaliser que dans ce livre, ici, les Ephésiens, nous pouvons remarquer de quelle manière cet homme de Dieu, effectivement, écrit, et nous l'avons eu à pouvoir le lire, je pense qu'il y a un temps de cela, dans les livres d'Éphésiens, et que nous pouvons poser l'action, on va savoir, mais qui était donc cela qui était donc à Éphèse, auquel cet homme de Dieu écrivait cela. Vous devez être conscient de savoir qu'effectivement, que ces bien-aimés frères et sœurs auxquels ceci avait été adressé étaient aussi comme vous, étaient aussi comme Assila, et cette même parole a été lue.
Et ils ont eu à pouvoir également aussi prendre part et le temps dans lequel ils étaient sur la terre pour pouvoir aussi arriver à pouvoir vivre et agir aussi pour l'instant que Dieu leur avait donné. Elle s'est écoulée aussi et ils sont partis, se sont reposés. Et nous réalisons une chose merveilleuse, que l'homme peut passer, mais la parole de Dieu demeure toujours éternellement. Ils ont eu à voir l'entendre cette parole, effectivement, mais nous aujourd'hui aussi. Nous voulons voir aussi le lire aussi, et nous, si nous prenons au verset, alors chapitre 1, de verset 1, nous réalisons qu'effectivement, qu'il s'adresse effectivement à un peuple particulier auquel ici il dit, Paul, verset 1, chapitre 1, verset 1, dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Si la Bible parle ainsi, qui est la parole de Dieu, elle ne ment jamais. Donc, effectivement, c'était vraiment aux saints qui étaient. Il y avait des saints là à Éphèse, il y avait vraiment des fidèles. Quand on parle des fidèles, c'était vraiment fidèle. Quand le Seigneur dit que tu es fidèle, c'est que réellement tu es fidèle. Quand il dit que tu es saint, c'est que réellement tu es saint. Ce n'est pas qu'on dit saint, alors ce n'est pas pour simplement dire, mais quand cela est dit ainsi, la chose était réellement réelle. Donc, effectivement, il y avait des saints qui vivaient à Éphèse, et ils étaient aussi des fidèles en Jésus-Christ. Ils aimaient tellement le Seigneur de tout leur cœur, et ils le suivaient aussi, effectivement, de tout leur cœur. La honte, il va pouvoir l'entendre, effectivement, et à maintes reprises ici, en rapport avec Jean chapitre 10, le Seigneur a dit, j'appelle mes brebis par leur nom et je les fais sortir. Et qu'est-ce que je fais, effectivement? Je vais au-devant d'eux et mes brebis me suivent. Donc, les brebis connaissent la voie du berger. Et ils suivent, effectivement, le berger. Elle a dit, je suis le bon berger. Donc, chaque brebis qui a été appelé par son berger doit réellement reconnaître le berger et suivre le berger. Donc, aujourd'hui, nous sommes censés pouvoir suivre le berger. Et il avait dit lui-même dans les Saintes Écritures en disant que le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Amen. Ça veut dire que si nous devons le suivre, on doit le voir. Amen. Parce qu'il faut que nous comprenions, frères et sœurs, que la foi qui est dans les Saintes Écritures n'a jamais été quelque chose d'aveuglement. On est aveugle. Non, ce n'est pas de marcher avec Dieu dans l'aveuglette. Ou des probablement, oui, c'est, on fait ça, en fait, on ne sait pas, on pense qu'on va arriver. Non, la Bible nous fait comprendre qu'effectivement, que la foi est une ferme assurance. Amen. Donc, je ne fais pas les choses avec le peut-être dedans, mais je fais la chose avec la certitude que c'est vraiment ça la chose. Alors, si nous, nous sommes appelés en tant que brebis du Seigneur, et que lui, il est le berger, il est normal, effectivement, que la brebis puisse suivre son berger. Amen. Mais il a dit, frères et sœurs, je vais quand même le lire avec vous encore, Jean chapitre 10, pour que nous puissions voir clairement aussi. Jean chapitre 10. Je pense que c'est cela. Pardon, je n'ai pas ici. Jean chapitre 10. Il dit ici. Pardon, oui. Verset 1. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Donc c'est quand même clair. Donc effectivement, que quand il fait sortir ses propres brebis, lui en tant que berger, effectivement, il marche devant le brebis et les brebis doivent le suivre. Et ces brebis, effectivement, en suivant, ils ne suivent pas dans la veillette. Ils doivent quand même voir où se trouve le berger pour pouvoir le suivre. Ah oui, ça c'est vrai, mon frère et ma soeur. Ah oui, c'est sûr et certain. Nous devons voir où se trouve le berger pour qu'on puisse réellement le suivre. Parce qu'il a dit, il marche effectivement devant. Il a fait sortir d'ailleurs. J'aime beaucoup cela parce qu'il dit qu'ils appellent tous par leur nom. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Et quand ils appellent par leur nom, c'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir le dire, frère. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le bon berger. Il ne prendra jamais la brebis de quelqu'un d'autre.
Non, il est venu chercher ses propres brebis. Alors chaque brebis doit reconnaître effectivement qui est son berger. Donc si le Seigneur est notre berger, alors nous sommes censés être ses propres brebis. Et comme l'Écriture le dit, il nous connaît donc, il nous a appelés par notre nom. Donc s'il nous a appelés par notre nom, certainement je dois avoir entendu mon nom être appelé. C'est sûr et certain. Parce que la Bible ne peut pas mentir. Amen. Le Seigneur, vous savez, frère, ce n'est pas l'histoire. Alors, c'est une réalité que le Seigneur nous parle ici. Il dit, je les appelle par leur nom. Parce que chacun de nous a un nom. Amen. Amen. Ah, oui, bien sûr, monsieur. Il a appelé Abraham par son nom. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais celui qui a salué l'Abraham, fait d'Abraham à Abraham. Donc, il y a quand même, il connaît les noms, puisque Sarah s'est appelée Sarah. Il connaissait. Amen. Il me dit, mais maintenant, je veux qu'on l'appelle Sarah maintenant. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc, le Seigneur connaît les noms de chacun des noms. Amen. 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 Donc, ses propres brebis, il les connaît. Amen. Donc, et quand il appelle, effectivement, il appelle par leur nom. Parce que, effectivement, ben, les noms identifient la personne. Oui. Donc, hein, toi, il t'appelle toi, tu entends maintenant que c'est par ton nom que le Seigneur t'a appelé. Frère de ça. Vous vous souvenez, nous avons lu avec vous le mardi, n'est-ce pas? Nous avons parlé après cette scène, n'est-ce pas vrai? Donc, des livres qui n'amènent celui qui est assis, n'est-ce pas vrai? Amen. Je vais revenir ici vite. Regardez bien, très bien. Avez-vous remarqué qu'effectivement, que les livres étaient ouverts? Vous vous souvenez quand même, il était fermé. Vous vous souvenez quand même, non? Amen. Et puis, il a pris le livre, effectivement, de la main de celui qui était assis. Amen. Vous vous souvenez encore? Amen. Si vous remarquez très bien, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Après le chapitre 5, c'était l'ouverture des sceaux. Vous vous souvenez? Amen. Ok. Quand il a pris, il a ouvert les sceaux. Parce que 5 et puis à 6. Mm-hmm. N'est-ce pas? Oui. Et puis, nous allons effectivement chapitre 6 et puis chapitre 7. N'est-ce pas vrai? Amen. Chapitre 8, n'est-ce pas? Mm. Chapitre 9, n'est-ce pas vrai? Et on arrive au chapitre 10. Amen. Vous voyez le chapitre 10, n'est-ce pas? Amen. Ok. Si vous lisez très bien le chapitre 10, regarde. Juste une insertion, hein? Puis nous revenons. Hein? Regardez ici. Apocalypse chapitre 10. Parce que si vous remarquez très bien, 9 c'est Sodome, le cinquième ange sonnant de la trompette, je vis une étoile qui était tombée. Donc, je vais vous souvenir, non? Maintenant, au chapitre 10, il dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, ainsi, ainsi. Et puis, on arrive effectivement, regardez bien, au verset, je pense, oui, ah, voilà, oui, merci. Donc, je continue. Voilà. Et notre ange puissant qui tenait du ciel, enfin qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Ça vous décrit la personne, non? Mm-hmm. Vous savez qui c'est, non? Amen. N'est-ce pas, Amen. Vrai? Amen. Ok. Regardez, frère, ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ, vous le savez? Amen. Ok. Donc, c'est lui qui est allé, effectivement, pour prendre ce livre-là entre les mains, celui qui était assis. Vous vous souvenez? Le livre scellé de sept sceaux. Vous vous souvenez de cela? Alors, si vous remarquez très bien, effectivement, et vous le savez bien aussi, que ce livre était un livre de la rédemption. N'est-ce pas? Oui, monsieur. C'était le livre de la rédemption pour le rachat, effectivement, de toi, mon frère, de toi, ma soeur, de chacun de nous, ainsi de suite. Dans ce livre-là, il y avait des noms écrits. Alléluia. Et oui, monsieur, je vais vous le montrer. Chapitre 13 d'Apocalypse, dit ceci. Il dit une chose ici. Lisons ici. Chapitre 13 d'Apocalypse, verset 7, il dit. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, de le vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. N'est-ce pas? Amen. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Amen. Donc, effectivement,
il y a des noms qui étaient, inscrits dans le livre. Vraiment. N'est-ce pas vrai? Amen. Bien sûr, monsieur. Et on dit bien ici que, il dit, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie. Regardez-toi, nous lisons avec vous rapidement. Hein. Vous avez bien prêté attention à l'écriture, hein, chapitre 13, regardez bien. Je l'ai dit. Ceux dont le nom n'a pas été écrit. Vous entendez bien? Le nom a été écrit. Donc, avant même que le monde soit, ton nom à toi avait été écrit dans quel livre, monsieur? La Bible dit ici, dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Est-ce que vous entendez cela? Dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Donc, ton nom à toi a été inscrit là-dedans. En fait, le nom des gens aussi était inscrit là-dedans. Amen. Jean a pleuré parce qu'il n'y avait personne. Amen. Quand on a posé la question, mais quand on lui a dit ne pleure point, le lion a tué les Judas, il a vaincu. Vous vous souvenez, non? Amen. Toute la nature entière s'est réjouie. Chapitre 10, regardez, frères et sœurs. Ici, chapitre 10. Voyons ici, verset. Parce que. Ici, vous regardez très bien, hein, au chapitre 5. Mettez votre main, chapitre 5, chapitre 10. Nous revenons au chapitre 5. Elle est très bien. Hein. Puis je vis dans la main droite, chapitre 5, verset 1, de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Ce livre était fermé. Vous souvenez, non? Scellé de sept sceaux. Et ici, au chapitre 10, voyons ici, au verset, j'ai lu encore le verset 1, il dit, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. » C'est bien lui qu'on a vu au chapitre 1, non? L'Apocalypse. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous vous souvenez, non? Amen. Voilà. Et puis, verset 2, il dit, il tenait dans sa main un petit livre, fermé ou ouvert? Ouvert. Un petit livre ouvert, et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept honneurs firent entendre leur voix. Et quand les sept honneurs firent entendre leur voix, je l'ai écrit, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle, c'est qu'on dit, le Saint-Tonnel, qui part. Et lorsque je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a le ciel et ce qui se trouve, la terre et ce qui se trouve, et la mer et ce qui se trouve, et qu'il n'y aurait plus de délai de temps donc, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Vous avez remarqué que les livres étaient ouverts, n'est-ce pas? Amen. Oh oui, frère. Pourquoi est-ce que les livres étaient ouverts? Ces livres d'abord étaient fermés, le nom était dedans. Et quand il a ouvert les livres, effectivement, il a crié. Pourquoi il a crié comme un lion? Parce qu'effectivement, que tous les noms qui étaient écrits dedans ont été cités. Amen. Il a revendiqué ce qui était à lui. Amen. Et bien ça. Il y a une chose que vous devez bien comprendre, frère. C'est la manière dont Dieu a placé les choses dans le... Je vous l'ai dit l'autre fois, disons, quand vous prenez les livres d'Apocalypse, sachez que c'est un livre de symboles. Et Dieu a placé les choses, effectivement, dans différents endroits. C'est comme un puzzle, effectivement, qu'il faut prendre chaque morceau et le placer à sa place. Mais regardez une chose, mes amis, frères et sœurs, c'est que, quand on lit les premiers versets, effectivement, du livre d'Apocalypse, il dit, mais révélation. Révélation de Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde non. de Amen. Comprendre l'Apocalypse, mon frère. Amen. Tout le monde peut lire, même si on a écrit, tout le monde peut lire. Mais tout le monde ne peut pas le comprendre. Amen. Parce que l'Apocalypse, effectivement, ce livre-là n'est pas écrit pour tout le monde. Non. Il s'agit effectivement des livres du Seigneur lui-même, Amen. De l'époux à son épouse, Amen. Pour lui montrer les choses à venir. Amen. L'épouse, elle comprendra les choses Amen. Quand on lui fera savoir, voici les choses. Amen. Regardez la confusion que beaucoup de gens ont eu à pouvoir avoir dans ce temps où nous vivons. J'ai dit l'autre fois,
Et c'est vrai, quand on lit effectivement ici, on arrive à chapitre 10 qu'on a lu tout à l'heure, effectivement. J'ai eu la situation avant pour lui, donc on va regarder. Il dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Mais maintenant, regardez très bien. Si nous prenons les Saintes Écritures, nous allons dans le chapitre 8, n'est-ce pas ? L'Apocalypse. Quand il ouvrit le septième sceau, c'est le dernier sceau, non ? Amen. Vous vous souvenez ? Il y eut donc dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis le sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Les sept anges dont on parle ici ne sont pas des messagers. Non, monsieur, ils n'ont rien à voir avec les sept messagers dont les saintes écritures parlent ici, chapitre 1 d'Apocalypse, ici, où il dit ici, elle est très bien, hein, verset, je pense que... À chapitre 1 d'Apocalypse, nous lisons ici dans le chapitre 1, verset 19. Il dit, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite. N'est-ce pas vrai? Amen. C'était donc dans sa main. Mm-hmm. Et puis nous continuons, il dit, et de sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges de sept églises. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc c'est bien écrit, les anges de sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc ceux-là font partie, effectivement, sont en rapport avec le sept ans d'église. Mais ici, au chapitre 8, ça n'a rien à voir avec les sept étoiles qui étaient à sa main droite. Ici, on nous dit bien, écoutez bien, il dit, et j'ai vu le sept anges qui se tiennent devant Dieu, et cette trompette leur fut donnée. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, on donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Vous entendez cela? C'est quand même pas un messager qui s'était là-bas, parce qu'on connaît les messagers, non? Donc, Pierre, donc on est Jean, pardon, Paul, effectivement, ainsi aussi, donc, qui attendent encore. Donc, mais là, l'ange était devant le Seigneur, il dit, mais, et l'ange prit l'encensoir, les remplit de feu de l'autel, et les jeta sur la terre, et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, un tremblement de terre, et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Quand on nous dit qu'effectivement, que, il est très bien, d'abord, la fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. On n'a pas d'abord le trône, non? Le trône qui est devant le trône, non? Vous voyez dans le chapitre 8, verset 3, je l'ai dit encore. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel, et un encensoir d'or, donnant beaucoup de parfums, afin qu'il nous offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Maintenant, quand on nous parle qu'effectivement, qu'il y a, verset 5, il dit, il y a une. Donc, il remplit, donc l'ange remplit dans son soir, le remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Et il y eut de voix, de coups de tonnerre, des éclairs et tremblant des terres. Ce n'est plus à ce moment-là le trône des grâces. C'est devenu maintenant un trône de jugement. Amen. Quand est-ce que le trône des grâces passe au trône du jugement? Aussi longtemps que le pouce de Christ est encore sur la terre, mon frère et ma soeur, c'est encore le trône des grâces. Amen. Le sang est encore là. Oh oui, monsieur. Et qui s'était encore jusqu'aujourd'hui? Pourquoi intercède-t-il? Jusqu'à ce que le dernier puisse entrer. C'est ce que l'apôtre Paul dit, effectivement, que jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alors, quand le dernier entrera, alors, effectivement, les seigneurs tournent le dos, effectivement, des nations. Pour donner sa garde vers Israël. Il n'a plus rien à voir. Et alors, le temps de la grâce est terminé. Amen. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, effectivement? Il est au chapitre 8, il est bien. C'est à ce moment-là, maintenant, que verset 6 dit, les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparaient à en sonner. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre, le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Si c'était
Paul, effectivement, qui était le premier messager, et c'était en fait lui qui avait sur la trompette, on aurait pu vivre ce genre de choses. Mais ce n'était pas ainsi. Non. Paul a apporté son message pour que l'Église, effectivement, soit placée, effectivement, dans la progression de ce que Dieu avait prévu. Mais ici, ce sont les anges qui en soient, les jugements. Le suivant dit, le deuxième ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, le tiers de la mer devint du sang. Et puis, le verset suivant, verset 10, il dit, le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et tomba sur les tiers de fleuve et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, ainsi. Verset 12, le quatrième ange sonna de la trompette et les tiers du soleil fut frappé ainsi que les tiers de la lune. Et les tiers étoiles, enfin que les tiers en soient obscurcis, le jour perdu un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un ange qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause de notre son de la trompette que les trois anges vont faire retentir. Chapitre 9, verset 1. Le cinquième ange sonna la trompette, et je vis une étoile qui était donc tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donc donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Ainsi. Alors, nous arrivons au verset 13. Le sixième ange sonna la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sous le grand fleuve, l'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient donc prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent les tiers des hommes. Le nombre des cavaliers ainsi. C'est ainsi qu'on arrive au chapitre 10. Parce que le sixième a sonné. Alors, vous voyez, effectivement, maintenant, on a vu, chapitre 10, effectivement, on parle effectivement de l'ange qui descend. Et là, maintenant, on parle ici au verset plus loin. Verset 7, il dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs le prophète. Maintenant, on a vu que les six ont sonné. Il faut quand même que les septièmes puissent sonner. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Bon, nous prenons le chapitre 10, effectivement. Nous allons au chapitre 11. Je crois que c'est là, effectivement. Regardez bien. Chapitre 11 d'Apocalypse. Le verset 15, il nous dit, le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vers qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et adorèrent Dieu ainsi. Donc ce n'est pas William Branham qui est le septième ange ici. On voit bien que ce sont les anges les trompettes, mon frère. Amen. La Bible ne se trompe pas. Non. Et le problème, c'est qu'on mélange les choses. Oui. William Branham était le septième messager du septième ange. Il n'avait rien à voir avec ceci. Non. Alors, que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Donc, je voulais lire cela simplement parce que là, il est écrit effectivement que les livres fut ouverts, le nom ont été cités. Ça veut dire que pour les temps des nations, les temps étaient terminés. Il y vient comme le lion. Le Seigneur n'est pas pour nous le lion de la tribu de Judas, c'est pour Israël. Amen. Pour nous, c'est l'agneau de Dieu. Amen. Donc, là, il vient maintenant pour Israël. Donc, c'est dit que, comme nous l'avons entendu, effectivement, quand le Seigneur t'appelle par ton nom à toi, tu dois être certain que tu as entendu ton nom. Parce que quand tu entends ton nom, effectivement, qui t'a appelé, tu es donc concerné. Il dit, pardon, frère, je marche comme ça. Non, tu dois être certain. Vous savez, si c'était dans une église dimensionnelle, je comprenais que les gens se disent, bon, on va pas cette dimension. Mais ici, il s'agit en fait d'une marche réelle de Dieu avec un peuple réel, effectivement. Donc chacun doit être conscient que non, dans cette chose ici de Dieu aujourd'hui, je suis réellement dedans parce que Dieu m'a appelé par mon nom. Amen. Amen. Et vous savez, frères et sœurs, nous l'avons lu avec vous dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4. Regardez, il dit ceci. Éphésiens 4. Regardez. Verset 1 dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, regardez très bien, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, quand même, quelque chose a été adressé à vous.
La vocation, ça veut dire que vous avez été appelé par Dieu pour quelque chose. Amen. Donc c'est un appel qui vous a été adressé. Ce n'est pas à tout le monde, messieurs. Mais chacun de vous doit être conscient que j'ai été appelé. C'est comme ça que tu ne peux pas t'ennuyer dans l'église. Quand tu viens, tu ne t'ennuies pas. Tu n'es pas là en train de dormir. Non, monsieur. Tu te tiens. On sent que la personne est concernée. Pas que je viens mardi parce que ça ne sert à rien de faire la présence de mon frère et ma soeur. Je viens parce que je sens les désirs. Amen. Parce que je suis concerné par ce qui se passe avec Dieu. Amen. Donc là, effectivement, nous voyons que rien n'est bien. Il dit, mais il faut marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, ce qui veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, Dieu t'a quand même appelé. Amen. Amen. Mais c'est la vérité, frère et soeur. Cet homme qui nous a écrit ainsi, effectivement, il a eu la même expérience. Sur le chemin de Damas, il partait. N'est-ce pas vrai? Il y allait effectivement, parce que je vais dire, il y allait effectivement. Mais quelque chose s'est passé. Il a entendu son nom appelé. Il dit, seul. Ah! Il dit, mais qui es-tu? Il dit, mais si tu ne connais pas ton nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous ne jouons pas, frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour avoir des membres ou faire quelque chose pour vous attirer à quelque chose. Non, frère. Ce que vous devez comprendre, que ce n'est pas un jeu. C'est une réalité dans laquelle nous nous trouvons. Et Dieu est en train, réellement, le Dieu du ciel, en train de faire réellement son histoire. Donc, cet homme, lui, c'est pourquoi il pouvait dire, effectivement, avec Saint-Denis, il me dit, mais est-ce la faveur des hommes que tu désires? Non. Si je plaisais encore aux hommes, ce n'est pas ce que tu désires. Parce que cet homme était conscient et sûr qu'il appartenait au Seigneur. Amen. Parce que, s'il dit, mais pas serviteur et apôtre de Jésus-Christ, appelé par Jésus-Christ. Amen. Donc, il était conscient de ce qu'il était parce qu'il a entendu son nom être appelé. Son nom cité par le Seigneur. La même chose que chaque brebis qui appartient au Seigneur doit réellement aussi être conscient de ce que Dieu a eu à pouvoir faire pour lui. Frères et sœurs, partir d'enlèvement, ce n'est pas un mouvement de gens. Hein. On peut dire, mais oh, parce que nous sommes tous de l'autre. Non, monsieur, il s'agit des individus. Amen. Amen. Donc il s'agit de toi. Pas que, parce qu'il s'est avec le voisin, t'es, non, monsieur, c'est toi. Parce que quand Dieu t'a appelé, il t'a pas appelé avec un groupe, hein, il t'a appelé toi seul. Il n'a pas cité, mais ton nom à toi a été cité. Donc Dieu aussi t'a trouvé. Ah, lui, son nom a été cité. On s'est retrouvé ensemble. Comment ça se fait? Ah non, moi aussi, on m'a appelé. Amen. J'ai entendu mon nom. Amen. Et comme moi aussi. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est comme cela, mon frère et ma soeur. Chacun a dit, mais il faut que vous marchiez, parce que pour que tu puisses marcher comme cela a été appelé, il faut que tu sois appelé. Appelé effectivement en rapport avec la chose. Parce qu'il dit ici, hein, je vous exhorte donc à marcher, pardon, mais de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il faut d'abord savoir effectivement qu'est-ce que Dieu a eu à pouvoir faire et pourquoi m'a-t-il appelé? Pourquoi j'ai été appelé? Parce que si on t'appelle par ton nom, on doit te dire pourquoi on t'a appelé. N'est-ce pas vrai? Le problème, c'est que nous jouons beaucoup à l'église, hein, frères et sœurs. Membres, ceci, et puis on saute dans des choses qui sont tellement inutiles, on perd de vue effectivement l'essentiel en réalité de ce que nous sommes censés pouvoir comprendre et saisir, frère. Vous savez, quand cet homme ici a eu la grâce de pouvoir réaliser ce que Dieu avait fait pour lui, et qui le connaissait, qui l'a appelé par son nom. Regarde ce qu'il a dit, effectivement. Il dit, j'ai considéré toutes choses comme étant de la boue, en fait. Tout ce que j'avais, tout ce que j'ai considéré, même moi-même, effectivement, il dit, tout cela était comme étant de la boue pour moi. À cause de quoi? De l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Afin d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice. Amen. Vous vous souvenez encore? Amen. Cet homme savait effectivement, ce n'était pas un aventurier effectivement qui voulait faire plaisir à la foule
ou faire, je ne sais pas moi, des choses qui pouvaient plaire aux gens, non, pas du tout, mais il était conscient lui-même qu'il s'agissait effectivement des salutations. Donc, marcher de manière digne, effectivement, de la vocation qui vous a été adressée. Donc, être conscient de ce dont pour lequel Dieu t'a appelé. Prenez bien, frères et sœurs. Dans ces temps où nous vivons, effectivement, où nous avons la grâce que Dieu nous a accordée, ce que dans l'Apocalypse, chapitre 18, nous avons déjà lu ici, effectivement, avec vous, verset 4, il y a très bien. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit, parce que c'est cela ce qui nous concerne, en fait. Chapitre 18, Apocalypse. Vous connaissez l'écriture, mais je vais simplement lire. Il dit, verset 4, il dit. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Donc effectivement, l'appel que j'ai entendu effectivement du Seigneur avait un objectif. C'était exactement la même chose que Dieu a agi avec Abraham. Quand Dieu t'appelle à ton nom, il doit faire quelque chose avec toi. Il doit y avoir une séparation. C'est sûr et certain. Dieu nous a appelés pour que nous soyons mis à part, être séparés. Regardez bien, dans Ephésiens chapitre, dans 2 Corinthiens chapitre 6, je pense que c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici, hein, et nous montre. 2 Corinthiens chapitre 6, il dit. On est avec vous, les verset 14. Oui. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Vous avez entendu? Amen. Donc, le cri était là de pouvoir sortir. Vous avez entendu, chapitre 18, verset 4, effectivement, dit de sortir du milieu d'eux et puis il dit, mais séparez-vous, en fait. Donc, il faut qu'il y ait véritablement une séparation. En fait, Dieu, notre Seigneur, s'adresse à la personne à laquelle il a appelé. C'est pas à tout le monde. Et quand tu es cette personne, effectivement, que Dieu a appelé, il te dira, effectivement, ce que tu dois faire. Tu te sentiras concerné. Et il te dit, effectivement, mais il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Si moi, j'étais appelé. Donc, effectivement, que Dieu va te parler, toi. C'est pourquoi quand nous sommes assis en écoutant la parole de Dieu, la parole sort, mais chacun de nous doit entendre Dieu lui parler. Amen. Il va s'adresser à toi, effectivement. Mais voilà pourquoi, frères et sœurs, depuis que toi, tu es sorti, effectivement, de là où tu étais, jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à voir te parler. Amen. C'est le Dieu qui te fait bouger à gauche, à droite, effectivement. Il dit, mais ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Parce que c'est celui-là qui te conduit jusqu'à aujourd'hui. Amen. Pourquoi, mon frère? Parce que ce n'était pas un homme qui t'a fait sortir. Non, non. C'est lui qui t'a fait sortir. Amen. Donc, quand il t'a fait sortir, effectivement, tu sors, effectivement, du milieu des hommes. Mm-hmm. Voilà pourquoi un véritable... D'abord, il dit ici, il est très bien. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc quand toi, tu es devenu un fils de Dieu, une fille de Dieu, il y a quelque chose qui se passe au-dedans de toi, parce qu'il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Tu ne trouveras pas ces frères ou cette sœur, effectivement, dans les choses qui apportent toujours des problèmes. Non, monsieur, il n'est pas dans les choses charnelles. Cet enfant est toujours dans les choses spirituelles. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu l'a appris, effectivement, Dieu continue à voir l'enseigner. Amen. Ce n'est pas une personne qui chaque fois discute. Vous avez un fils de Dieu, frère et sœur,
ne discutera jamais les Écritures. Amen. Non, monsieur, il ne peut pas discuter les Écritures. Pourquoi? Parce que celui qui l'a appelé va l'éclairer davantage. Amen. Quand l'Écriture n'est pas très compréhensible, il vient. Amen. Avec la lumière, parce qu'il dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Qu'est-ce qui va se passer, mon frère? Depuis qu'il t'a fait sortir, tu ne régresses pas. Mais tu vas de progrès en progrès. Amen. De lumière en lumière. Amen. Lorsque la fausseté vient, même si tu étais englobé par cela, effectivement, il enverra toujours la lumière. Amen. Pour que toi, tu sortes de là. Vous savez, on va vous trouver, mais ce frère, il est bizarre, c'est très bizarre. En fait, c'est normal qu'on soit bizarre. Amen. 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 Parce que notre façon d'être conduit n'est pas humaine. Nous avons la façon d'être conduit qui est tout à fait spirituelle. Alors ça ne rencontre pas effectivement les attentes effectivement des hommes. Les hommes aimeraient bien être dans un groupe d'hommes comme ceux qui viennent des, je sais pas moi, des Chinois, des Chinois avec des Chinois, Japonais avec Japonais. Nous ne sommes pas comme ça. Non. Amen. Amen. Non. C'est vrai, frère. Chinois avec Chinois. Français avec Français, Allemand avec Allemand, Japonais avec Japonais, Belge avec Belge, effectivement, nous ne sommes pas comme ça. Amen. Parce que nous ne sommes ni Allemands, ni Belges, ni Français, ni Congolais, ni Congolais. Nous sommes que le peuple de Dieu. Frères et sœurs, c'est absolument important que nous réalisons ce que Dieu a fait de nous. Nous devons, quand je vois des gens qui disent, oh, nous sommes des Africains, je dis, mais vous êtes Africains, certainement vous l'êtes. Oui. Oui, mais si vous êtes africain, moi je n'ai rien à voir avec les Africains. Parce que c'est vrai, frère, les Africains vont vous causer des problèmes. Les Africains vous causeront beaucoup de problèmes. Parce qu'ils sont très problématiques. Les Européens vous causeront beaucoup de problèmes. Parce qu'ils sont aussi très, très problématiques. Double esprit, hypocrisie. Les Américains, beaucoup de problèmes de l'homme plus loin. Chinois, pareil. Et je n'ai rien à voir avec les Africains, les Européens, les Américains, les Africains. J'en sais rien. J'ai affaire avec le peuple de Dieu. Alléluia. Quand on a affaire avec le peuple de Dieu, nous avons la paix, frère. On se bat pour notre nation, la seule. Notre royaume, la seule. Alléluia. Amen. Il n'y a plus d'Africains, frère. Il n'y a plus de... Il n'y en a plus. Il n'y a que les fils et les filles de Dieu. Amen. C'est avec cela que nous traitons, frère. Amen. Nous chantons ce cantique. Si tu viens, donne-moi la main. Si tu ne viens pas, ne viens pas où? Chez nous, en Afrique, chez nous, en Afrique. Non. On n'a rien à faire avec l'Afrique ici. Non. On a affaire avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un pays où nous avons trouvé après avoir mangé le pain. Bon, mangeons, prions pour ce pays. Mais qu'est-ce qu'il y a chez nous? Nous, les Africains, nous, les Africains, on n'a rien à... Ici, il n'y a pas d'Africains. Amen. 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 Alléluia. Oh, chez nous, on fait comme ça, on coupe les poulets en deux, et puis on met la pâte là-bas, c'est la maman qui mange la pâte. Donc ça, c'est chez vous en Afrique. Chez vous les Africains, c'est comme ça, non? Mais moi, je ne suis pas Africain. C'est vrai, frère. Moi, je suis un fils de Dieu. Amen. Et tous ceux qui sont mes fils de Dieu, ce sont mes frères et sœurs. Oui, frère, nous devons toujours réaliser effectivement ce que Dieu a fait avec nous. Autrement, ce sont des boulets. Moi, je suis français. Et vous savez, nous, les Français, on aime manger les pains avec, je sais pas moi, du bon sang. Et puis, alors, moi, qu'est-ce que je veux dire maintenant? Alors que moi, je suis aussi africain. J'aime manger les chikwang avec les kibou. Vous connaissez les kibou là? C'est vrai. Vous m'invitez chez vous, je prends les chicoines dans les papiers, vous laissez là, emballez là. Je viens, je dis, vous êtes fou. Oh, moi, à ma table, je n'aime que du pain. Quand on est au restaurant, rien que le pain, du bon, moi, j'aime les chicoines. J'aime les chicoines, là, on déballe, effectivement. Comment ça se dit? Chez nous, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Si les gens, en tant que fils de Dieu, on agit comme ça, on est jamais. Amen. Amen. On a absolument rien compris. Il n'y a pas assez se référencier sur ce que. Nous étions, mon frère. Hier, nous étions. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas. C'est sûr et certain. Aujourd'hui, nous ne sommes pas. Alors, si nous sommes restés à nos origines attachées, alors, à quoi sert l'évangile, alors? À quoi sert l'évangile?
Autrement, nous sommes. Alors, nous serons vraiment les pires hypocrites. C'est vrai. Nous serons les pires hypocrites. Et je me tiens là. Je suis. Moi, je vais dans le monde entier. Je suis chinois, je suis vietnamien, partout. Je vais au Laos. Et puis, je me tiens là. Je dis, oh, je vois, vous êtes des chinois. Moi, je suis pas chinois, moi. Alors, moi, je vais apporter la parole chez ces gens-là. Je leur dis que vous êtes des chinois. Moi, je suis pas chinois. Alors je dis, moi, Dieu est bon, Dieu est notre Père. Et ce Dieu-là nous aime tous. Quel évangile tu apportes? C'est un problème. Mais c'est Dieu qui est notre Père, avec toi qui crois à la parole aujourd'hui, même si tu es en Chine, tu es mon frère. Amen. 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 Alors, si Dieu Amen. Nous a appelés, ce que Dieu nous a réellement aussi instruit, comme nous l'avons entendu effectivement, à ce que nous puissions être séparer effectivement des choses qui ne sont pas en accord avec la volonté de celui qui nous a appelés. Parce que le but de Dieu en nous appelant, mon frère et ma soeur, c'est que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Ce que l'apôtre Paul dit effectivement dans Éphésiens au chapitre 10, que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Mais néanmoins, ce qui est très important aussi pour nous, c'est que quand nous avons entendu l'appel de Dieu, nous sommes focalisés sur ces dons pour lesquels Dieu nous a appelés. À ce moment-là, mon frère et ma soeur, regardez comme il dit effectivement dans les versets suivants, Éphésiens, regardez très bien. Il dit ceci. Et cela dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, par les liens de la paix. Amen. Amen. Un fils de Dieu, mon frère, qui est comme celui-là, appelé par son nom, par Dieu, effectivement, et qui est conduit par l'Esprit du Seigneur, il n'apportera jamais la division. Non, monsieur. Non, madame. Parce qu'il n'a pas l'esprit de la division. Il a l'esprit, effectivement, de la paix, mais de marcher sur la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça, il faut que vous puissiez vous poser la question, qu'est-ce qui vous anime, vous? Qu'est-ce que vous cherchez, effectivement? Parce que dans les églises, vous causez parfois des troubles. Qu'ils en soient des frères, qu'ils en soient des sœurs, effectivement. Et chacun amène, effectivement, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais toujours, et ceci, et ceci, et cela, il y a un problème. C'est parce que, quelque part, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous a appelés. Amen. Il y a une écriture, effectivement, où l'apôtre Paul nous dit ici dans Philippiens, je pense cela. Philippiens au chapitre 3, je suppose que c'est cela. J'aime bien cela aussi. Il dit. Regardez bien. Je vais lire avec vous. Verset 4, il dit. Philippiens 3, 4, il dit. Moi aussi, cependant, j'aurai soin de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Vous avez entendu? Amen. Il dit, alors je dirais, moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles, persécuteur de l'église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. Philippiens 3, verset 6. Parce qu'il nous montre ce qu'il était selon la chair. Venez, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquelles je renonçais à tout. Je les regarde comme étant de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et sa puissance, sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est cette vocation que Dieu vous a adressée chacun,
Donc, on doit bien comprendre. C'est pourquoi, ne mettez pas la confusion. Oh Seigneur, j'ai entendu le message et j'ai suivi les prophètes. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Amen. Non, monsieur, ça n'a jamais été la volonté de Dieu, effectivement. Parce que l'Écriture dit, effectivement, que celui qui a des oreilles entend ce que le prophète dit. Non, c'est que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, l'Esprit, ce n'est pas l'homme, l'Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Donc, là, les gens ont commis, effectivement, la confusion. Il faut que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu comprennes, effectivement, pourquoi Dieu t'a appelé. Si cela n'est pas ainsi, nous avons formé une très grande dénomination de messages, et encore pire encore que les pentecôtistes, les baptistes et les méthodistes, comme on conduit toujours méthodistes, et si cela. Donc, encore, cela, c'est encore pour vous. Ça va encore chez eux, mais encore chez ceux qui se disent dans le message, c'est encore pire. Ah oui, parce qu'ils ont pris l'intelligence encore des choses de Dieu, ils ont encore aggravé encore leur cas davantage parce que. Eh oui, la connaissance en vous. Et c'est cela, effectivement, le problème. Donc, chacun doit réellement arriver à être conscient de ce don pour lequel Dieu a eu à pouvoir réellement aussi lui accorder la grâce dans un temps où nous sommes, de pouvoir voir clair et de savoir, effectivement, qu'est-ce que Dieu attend de lui. Vous savez, frère et soeur, c'est comme si nous étions dans un mouvement, en fait, et nous sommes entraînés par la masse. Ne faites jamais cette erreur-là, frère et soeur. Amen. N'entrez jamais dans un mouvement qui vous entraîne. Amen. Laissez quelqu'un qui observe d'abord, oui monsieur, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais? Amen. Parce que ce n'est pas la masse qui va être sauvée, c'est moi monsieur. Amen. La preuve c'est que quand la mort vous frappe, ce n'est pas la masse avec vous, non. Vous êtes individuellement seul. Amen. Donc je dois m'arrêter et regarder qu'est-ce qui se passe avec moi et ça. Pourquoi Dieu m'a appelé? Ce n'est pas les églises qui l'ont appelé, c'est toi qui l'as. Et s'il t'a appelé, effectivement, pourquoi il t'a appelé? Qu'est-ce qu'il t'a dit, effectivement? Oh, frère, nous avons le message, nous lisons le message, mais le fait de lire le message, mon frère et ma soeur, ne te sauve pas. Amen. 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 Combien des églises lisent la Bible, effectivement? Il y en a beaucoup, hein? Mais combien ont-ils la connaissance, effectivement, de ce qu'ils ont dans les saintes Écritures? Très peu. N'est-ce pas vrai? Amen. On peut bien dire, on peut bien écouter, on peut bien s'asseoir. Je vais vous poser la question, frères et sœurs. Vous savez que le Seigneur Jésus était appelé le Fils de l'homme. Amen. Vous savez pourquoi on l'appelait Fils de l'homme? Parce que c'était un prophète. Amen. C'est parce que ça, non? Amen. Le Fils de l'homme, c'était un prophète. N'est-ce pas? Ok. Regardez une chose. Quand il a regardé Jean-Baptiste, il dit de tous les hommes qui sont nés, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. C'est pas vrai? Amen. Et quand on regarde effectivement dans les Saintes Écritures, on voit les prophètes ont eu à pouvoir prêcher, faire tout ce qu'ils devaient, ils ont à pouvoir faire annoncer les choses, à pouvoir venir. Mais qu'est-ce qui fait de lui, c'est Jésus de la Bible, qui soit plus grand que tous les prophètes? Parce que quand on entend Moïse, il a dit, mais le Seigneur, notre Dieu, suscitera d'entre vos frères. Vous avez entendu? Amen. Un prophète comme moi, et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dit. Amen. C'était aussi un prophète. Mm-hmm. Et Moïse avait dit, un prophète comme moi. Mm-hmm. Et puis il a ajouté, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Mm-hmm. Donc si on entend ce que Moïse a eu à pouvoir dire, c'est comme ça que Moïse était un grand prophète. Parlant d'un prophète qui serait comme lui. Et nous invitant, c'était qui, hein? Nous invitant, je ne l'invente pas. Nous invitant à pouvoir l'écouter. Lui, il est grand prophète. L'autre viendra, on l'écoutera. Alors, comment il est venu, effectivement? Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, que par rapport à Moïse, le prophète, effectivement, qu'il soit considéré comme étant le plus grand prophète. Est-ce que vous croyez qu'il était le plus grand? Amen. Parce qu'il a dit lui-même,
il y a ici plus que Salomon, n'est-ce pas vrai? Amen. 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 Pour nous montrer qui il était. Et quand même, on est venu là pour dire, Moïse a dit, effectivement, il a montré qu'il était plus que Moïse. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Alors, vous vous souvenez encore, frère et sœur? On a envoyé des gardes pour l'arrêter. Amen. Et les gardes sont venus, effectivement, là, il était occupé à faire ce qu'il devait faire. Ils sont retournés. Amen. On leur a dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Alléluia. C'est pas lui qui a parlé. Hein. Et ils ont dit, jamais, jamais, homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Non. Il était le Dieu des prophètes. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais il avait aussi une petite église, monsieur. Amen. Dans son église, il y avait aussi un certain Judas. Amen. Amen. Il était assis là, frère. Il n'entendait pas la bouche de. Pas la parole, pas de la bouche d'un homme comme moi. Non, monsieur. La parole du Seigneur, c'est de l'auteur de la parole lui-même. Alléluia. Le créateur, le donateur de Dieu, le Dieu Tout-Puissant lui-même. Qui prêchait, qui parlait, qui démontrait qu'il était lui-même. Parce qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Judas était assis là. Ah, que Dieu nous aide, petit frère. Oh. Il écoutait la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, faites attention. Amen. Mais pardon, nous avons reçu le message. Ça ne veut absolument rien dire aux yeux de Dieu. Ce qui veut dire, la chose qui veut dire aux yeux de Dieu, ce que vous, vous avez reçu au travers de ce que Dieu a donné. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez saisi? Pourquoi Dieu vous a appelé? Frères et sœurs, l'appel de Dieu pour chacun de nous a un but bien précis. Et dès l'instant où Dieu t'a appelé, si tu n'as pas conscience de ce nom pour lequel Dieu t'a appelé, frère et sœur, tu vas tourner toujours en rond dans les églises. Tu seras toujours sous des problèmes, division à gauche, division à droite, et ceci et cela. Et pensant que tu n'avances pas, parce que c'est lui que Dieu a appelé, Dieu va le conduire. C'est pour ça même, vous remarquerez, frère, que dans la vie de cet homme ou cette femme, que Dieu a appelé par son nom et qui connaît effectivement ce nom pour lequel Dieu l'a appelé, il y aura toujours des épreuves. Amen. Amen. Écoutez bien, frère et sœur. Et vous ne verrez jamais être découragé par une épreuve, soit par la maladie, soit par les décès, soit par quoi que ce soit. Non, monsieur. Parce que chaque épreuve qui vient dans sa vie le pousse davantage. Amen. À pouvoir voir la gloire de ses dieux. Amen. Dans sa vie. Amen. Amen. Parce qu'il a dit, mais toi, invoque-moi dans ta détresse. Amen. Je te délivrerai. Amen. Et tu me glorifieras. Amen. Cette parole est pour lui. Amen. Et il le sait, frère. Parce que quand chaque enfant véritable de Dieu prend la Bible, lit, ce n'est pas comme tous les autres. Dieu lui parle, et il sent d'ailleurs, amen, que Dieu est en train de lui parler par l'écriture qu'il lit. Amen. Il lit, il s'est tout dit, mais gloire à Dieu. Amen. Il est seul, mais il dit, mais gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que son père vient de lui parler. Amen. Pour vous, c'est un journal à mémoriser, mais pour lui, c'est un livre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une différence, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Vous voyez toujours que cet homme ou cette femme n'est pas toujours qu'on a sous le poussier pour avancer. Chaque jour, chaque fois qu'il y a réunion, qu'il soit malade, qu'il soit faible, toujours aussi bouillant. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait en qui il se repose. Amen. Il a, parce que vous savez, frère, il a été appelé, c'est comme l'apôtre Paul, il dit effectivement, il dit, mais il m'a saisi. Amen. Qu'est-ce que moi je fais? Je vais aussi les saisir. Amen. Donc, je le fais, mais les saisir, parce que comment tu vas saisir quelqu'un avec les yeux fermés, je vais te saisir. Non, monsieur, je le suis. Amen. Je vais tenir sur un certain. Donc, je vois celui qui me conduit. On peut dire, mes frères, Léonard, mes frères et sœurs, le maître a dit à ses disciples, vous me verrez. Amen. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Amen. Toi, tu es censé pouvoir le voir. Amen. 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 Quand tu entres dans ta chambre, toi, oui,
Mardi, nous étions ici, non? Amen. Il était là, non? Amen. Le voisin et les voisines ne sont pas au courant. Ils ne savaient pas qu'il était avec nous ici. Non. Oh, Jésus, en question dont on parle, il est mort là-bas à Jérusalem. Mais il était ici, ressuscité ici. Amen. Et il marchait avec nous. Parfois, les frères le savaient qu'il était. Oh, mais toi, soeur, toi, mon frère, tu le savais? Amen. Vous avez entendu ici, non? Amen. Chacun de vous a réalisé que je parle de chacun de ceux qui ont la vie en soi. Amen. Amen. A réalisé que non, certainement, le Seigneur est vivant. Et on ne vous a pas obligé, vous avez commencé à prier. Amen. À louer Dieu, pourquoi? Parce qu'il marchait là. Amen. Amen. C'est sûr et certain. Chacun doit être. Oh non, parce que comme ça, j'ai fait. Oh, le frère Branham, gloire à Dieu pour son prophète. Oh, le frère Branham a fait. Quel puissant prophète, quel puissant. Oui, certainement, c'était un puissant prophète. Mais Dieu l'a envoyé pour quoi? Pour que tu cries les puissants prophètes? Non, pour que tu réalises que Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. En fait, c'est ce qu'il a fait dans le prophète. Alléluia. Il va aussi le faire aussi en moi. Amen. Si j'ai cru la parole comme le prophète l'a cru aussi, Amen. Alors Dieu doit aussi faire en moi. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, Dieu t'a appelé pour un but. Amen. Ne perds pas de vue ces buts pour lesquels Dieu t'a appelé. Amen. Sur le chemin, Satan viendra. Amen. Avec des histoires encore aussi à droite, de ceci, de cela. Il va vraiment te charger. Et n'oublie jamais pourquoi Dieu t'a. Amen. Tu côtoieras les endroits, toi les frères qui sont de soi-disant des bons et des mauvais. N'oublie jamais pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Parce que si tu deviens dans l'association des malfaiteurs, tu as perdu de vue pour lesquels Dieu t'a appelé. Amen. Amen. Oh, j'aime Élisée, frère et ça. Élisée savait pourquoi Dieu l'avait appelé, n'est-ce pas vrai? Amen. On l'appelait à gauche, sais-tu, dit, taisez-vous, je le sais, taisez-vous. Il a fait les yeux braqués sur Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur. Frère et sœur, ne devenez pas aussi tiède. Parce que la tiède, c'est l'esprit de là, c'est temps ici où nous sommes. Amen. N'oubliez pas, frère, ça vous saisit sans vous rendre compte. Amen. Dans l'assemblée, avant tu étais bouillant et puis tu deviens comme ça, aussi froid. Non, monsieur, je ne peux pas devenir tiède. Il faut que la vie continue à couler en moi. Je veux que là où le Seigneur me tient, je veux être aussi bouillant. Oui, monsieur. Amen. Mais soeur, la maison de Dieu, c'est un endroit que quand tu entends que je veux aller, ton âme à toi brûle dedans. Amen. Que Dieu bénisse ma soeur Christian. Amen. Elle ne dit jamais rien, mais Dieu Amen. Voit ce qu'elle fait. Amen. Vous savez là où elle habite, frère et sœur, oh. C'est pas aussi facile, hein? Amen. Vous savez, si va dans, même Amen. Dans son corps, Amen. Cette sœur aussi âgée de son âge, vraiment. Et quitte si loin dans les trains, dans le bus, parfois subir les gens, les trains dans le bus, effectivement, jusqu'à ce qu'elle vienne ici, mardi, jeudi, dimanche. Oh, oui. Amen. Quand je vois des jeunes. Qui n'ont encore, c'est pas moi qui sont encore, j'ai les os sont encore bien durs, effectivement, bien bons. Il dit, ah, non, j'habite loin, je ne sais pas venir, priez pour moi. Mais elle aussi avancée en âge, parfois avec des douleurs là et ici. Elle fait des. Frères et sœurs, on doit être reconnaissant à Dieu. Amen. Il y en a de ces gens par, au travers desquels Dieu nous instruit, ils ont aussi un jugement. Amen. Amen. Eh oui, monsieur. Amen. Eh oui, madame. Alléluia. Vous, il suffit d'aller faire un petit peu pour Dieu. J'ai fait, il faut qu'on voit. J'ai fait, il faut qu'on voit. Il n'y a pas de problème. Mais tu peux avoir fait, les gens vont te féliciter, mais devant Dieu, ça ne vaut rien. Amen. 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 Ce qui a de la valeur devant Dieu, ce que tu fais, ça réclame quoi que ce soit. Amen. Mais tu l'as fait pour Dieu avec autant d'amour et de zèle, effectivement. Amen. Oh, frère et soeur, j'ai toujours dit, frère, ne jouez pas. Parce que, vous pouvez dire, mais si moi je ne suis pas là, rien ne va s'effacer. Dieu prépare quelqu'un d'autre. Amen. Du jour où Dieu va te faire passer, Amen. Il t'aimait. Je l'ai surpris, frère. Amen. 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 Que Dieu nous aide, frère. Amen. Quand il s'agit de choses de Dieu, on doit être sérieux. Et en toute humilité. Donc, c'est à peine d'avoir été adressé, effectivement. En toute humilité, donc chacun de nous doit arriver à voir, revêtir effectivement cette humilité. On travaille. Vous savez, j'aime bien comme l'apôtre Paul le dit. C'est la nature d'un fils de Dieu. Hein. Colossiens 3. Regardez bien. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Colossiens 3, il dit,
Alléluia. Amen. C'est vrai, ma bien-aimée en moi. Colossiens 3, je vais m'arrêter après. Il dit, mais ah, j'aime bien que tu me couches là. Merci Seigneur. Je vois rien de bien. Et verset 9 d'abord, il dit. Ne mentez pas les uns aux autres, mais vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Verset 11, il dit, il n'y a ici ni grec ni juif. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. C'est la Bible, hein? Amen. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Amen. Alléluia. Amen. Le verset suivant dit, ainsi donc. Alléluia. Amen. Amen. Hommes des élus de Dieu. Amen. Bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, Amen. De douceur, de patience. Amen. Faille de miséricorde, effectivement, vous connaissez le nom. Amen. Donc il dit, mais d'humilité, ce que nous avons défini dans 4 noms. Donc quand on est appelé de Dieu, messieurs, il y a cette nature parce qu'on est élu. Amen. Être appelé en dehors d'eux, c'est ça l'église, non? Amen. Élu en dehors d'eux. Donc quand Dieu nous appelle à sortir, ce que nous lui appartenons. Amen. Nous sommes donc des élus de Dieu. Je me rappelle que mon frère les chante tout à l'heure. Amen. Nous sommes donc des élus de Dieu, appelés effectivement en dehors. Amen. Et quand Dieu nous a fait sortir, effectivement, de là où nous étions, on ne peut plus retourner à l'église pour aller tendre la lampe pour manger l'hostie. C'est terminé ces choses-là. Amen. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée soeur. Sûr et certain. Ça veut dire que maintenant, je tends vers les choses qui sont parfaites. Amen. Nous tendons vers la perfection pour que nous puissions arriver. J'ai entendu la main de mon frère Andrew, que Dieu le bénisse. Amen. Il a fait danser un prêtre catholique, effectivement, un diplômé, lorsqu'il est venu chez lui pour lui dire qu'il faut qu'on baptise les enfants. Alors il dit, mais monsieur, mais montre-moi dans les scènes écritures où on peut baptiser un enfant. Il dit, mais je suis diplômé pendant 14 ans. Il dit, mais moi, c'est le même que c'est ma 4 ans. Dans les choses de Dieu, il dit, mais montre-moi. Eh bien, le docteur a perdu les dents. Il a dit, oh, je crois que tu connais. Il dit, oui, oui, oui. Il dit, mais ne pas être baptisé. Alléluia. J'aime de tes hommes. Oh, que Dieu qu'on avance. Donc, être revêtu d'un trait de miséricorde, comme l'Écriture le dit. Donc, d'humilité, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, effectivement. Et cela, c'est ce que Dieu fait avec nous, mon frère et ma soeur. Amen. Et plus bas, il dit, mais vous supportant les uns et les autres. Amen. Il ne faut pas dire, non, je ne supporte pas ces frères, je ne supporte plus ça. Oh, non, monsieur, et Dieu t'a donné, effectivement, cette nature, effectivement, de supporter. Amen. Pas de prendre part aux choses, mais de supporter. Amen. Pour que celui qui ne voit pas encore très bien, s'il est un fils de Dieu, qu'il puisse être amené à pouvoir voir bien. Par quoi? Mais par ta nature à toi. Oui. Par ta façon d'être, effectivement, pour que tu puisses aider aussi ceux qui n'ont pas la connaissance, effectivement. Bon, terminons par là, effectivement. Dieu nous a appelés pour un but dans ce temps dans lequel nous vivons. Et Satan fera tous ses efforts. N'oubliez pas cela, il fera tous ses efforts. Tout ce qu'il peut, l'enfer fera tout parce que le Seigneur l'a dit. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que l'enfer se dressera effectivement et tout ce qu'il y a comme dans le bas-fond, tous les démons vont se redresser effectivement pour pouvoir combattre cela. C'est ce que Satan va faire. Il vous mettra des bâtons sur le chemin. Il fera en sorte qu'effectivement, qu'il y ait des situations qui arrivent effectivement pour pouvoir vous décourager. Souvenez-vous de Job. Job, un fils de Dieu. Job qui aimait tant Dieu. Job qui avait tant consacré ses enfants à Dieu. Satan, il dit, est-ce d'une manière désintéressée qui te sert? Il dit, mais quand il va dans l'église, effectivement, il espère toujours des bénédictions. Parce que tu es béni, il s'accroche à l'assemblée. C'est ça. Mais maintenant, touche-le, tu vas voir. Tu vas voir. Tout simplement, à tous ces biens-là. Vraiment.
Il va voir comment il va te mourir en face. Mais Satan s'était trompé. Amen. Amen. Parce que quand Dieu vous a choisi, il a mis en vous la parole à persévérance. Amen. Alléluia. Il n'y a rien sur la terre qui peut être plus important qu'un fils de Dieu. Amen. Vous savez cela? Oui. Pour toi en tant que fils de Dieu, il n'y a rien qui soit plus important pour toi que ce que Dieu a fait de toi. Amen. Et ce que Dieu est de toi. Même si Satan a enlevé tes enfants, a enlevé ta femme, a enlevé ton mari, a enlevé ta maman, a enlevé ton papa. Parce que les uns, quand cela arrive, effectivement, le monde s'écroule. Le monde s'écroulerait si je ne connaissais pas Dieu. Amen. C'est sûr et certain. Quand Dieu vous aime, il arrive aussi à pouvoir... Vous savez, Satan, c'est ce que vous aimez. Oui, c'est vrai. Ah, mon frère et ma soeur, réveillez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. L'Église catholique, c'est différent, parce que bon, ils vous donnent l'hostie, oui. Vous dites tout va très bien, pas de problème. Mais dans les choses de Dieu, nous avons un adversaire qui s'est levé contre vous. Ah, il sait comment arriver à pouvoir frapper, attrister quelqu'un d'une certaine manière ou d'une autre. Mais Dieu nous a donné les armes. Amen. Quand la tristesse vient, la consolation vient. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui peux vous consoler. Oui. Il a dit, je suis le consolateur. Amen. Alléluia. Satan sait comment frapper quelqu'un. Oui, messieurs, écoutez bien ma soeur, écoutez bien mon frère. Aussi vrai que Dieu vous a vraiment appelé, que vous êtes élu de Dieu, sachez une chose, que la souffrance fera partie de votre vie jusqu'au jour où vous partirez. Amen. Job a dit une chose merveilleuse. Il dit, l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour vos yeux. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'étincelle est étincelle parce que ça vole. Sinon, ce ne serait pas l'étincelle. Donc, l'homme est né pour souffrir. Mais en fait, frères et sœurs, là où Satan, lui, ne comprend pas, Alléluia. Et Dieu te bénisse. Amen. La preuve vient. Alléluia. Mais dans notre intérieur, nous sommes bien. Amen. Amen. Donc, ça frappe l'extérieur autour de nos frères. Alléluia. Mais Dieu nous a donné à l'intérieur, nous avons le bonheur, frère. Amen. La victoire, nous l'avons. Amen. L'épreuve viendra. Mais l'intérieur, regardez. Alléluia. C'est pourquoi, frère, écoutez. Alléluia. C'est pourquoi, même si la tristesse venait, ne laissez pas pénétrer dans l'âme. Alléluia. Amen. Amen. La tristesse peut venir. Laissez-la autour. Pleurer, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais pas que ton âme à toi, est-ce que tu vas t'attrister que tu abandonnes la foi en Dieu? Non, monsieur. Non. Amen. Parce que Dieu est ton consolateur. Alléluia. Amen. S'il permet une épreuve, même s'il prend un membre de ta famille, mon frère et ma soeur, il sait que tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, il te donnera quelque chose pour surmonter l'épreuve. Amen. Et ce que Dieu attend de toi, c'est de voir que après l'épreuve, relève la tête. Amen. Amen. C'est vrai. Alléluia. Comme je vois les gens, me montrent, oh, moi ça fait 40 ans que je porte les deuils de mon mari, les deuils de ma femme, les deuils de mon fils, mon frère. Mon frère, ma soeur, c'est que quelque part tu n'as pas compris Dieu. Amen. Oui. Là, tu fais l'affaire de Satan. Mm. Puisque le démon est content, il dit, mais je l'ai emprisonné. Alléluia. Parce que si tu portes le deuil pendant 5 ans ou 10 ans, ton âme à toi se réjouit dans la Amen. Oh, on dit, mon âme bénit l'éternel. Comment veux-tu bénir l'éternel? Si ton âme est prisonnière. Et puis il dit, mon âme bénit l'éternel et fait quoi? Et n'oublie aucun de ses biens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, Amen. La victoire est quoi? Dans la louange. Alléluia. La louange sied aux hommes droits. Dans la prison, Paul et Silas. On frappait. Ils n'ont pas dit, ah, c'est pas possible. On prie Dieu, mais nous aussi, on nous frappe. Non, Seigneur, que ton nom soit béni. Ils ont commencé à chanter les chants de Sion. Satan a perdu le pouvoir, mon frère.
Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Nous devons réaliser Alléluia. Qui nous sommes. Amen. Ce que ce Dieu a fait de nous. Et pourquoi nous sommes là. Et si nous sommes de ceux qui ont perdu un membre de la famille, effectivement, mais qui était un frère en Christ. La tristesse vient. Mais nous savons une chose. Amen. Un jour, nous tiendrons là-bas. Amen. Avec lui aussi. Amen. Parce que ceux qui nous ont précédés se reposent. Amen. C'est pourquoi, si nous sommes encore sur la terre, prions pour le nôtre. Dans nos enfants, dans nos femmes, nos maris, effectivement, tout ce qu'ils ont fait pour que Dieu les ait fait croire à la parole de Dieu. Enfin que quand la trompette retentira, nous nous retrouvons de notre côté. Amen. Nous n'avons pas sujet à pouvoir nous plaindre. Nous avons sujet à pouvoir simplement glorifier Dieu. Alléluia. Réaliser qu'il nous a appelés pour un but. Ce que nous devons censé pouvoir atteindre, ce but, effectivement, ce quoi l'Écriture dit, elle sera glorieuse, irrépréhensible, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. C'est ça l'épouse de Christ. C'est ça le peuple de Dieu. C'est-à-dire que penser comme Dieu pense, agir comme Dieu agit, et marcher comme Dieu a marché, et accomplir ce que Dieu a accompli. C'est pourquoi, je termine par là, j'aime beaucoup ce prophète, comme il dit souvent, celui qui l'exprime et dit, l'épouse dira et la chose sera. Amen. Et il avait 100% raison. Amen. Parce que tel il est, Amen. Puisque la tête descend, Amen. Le corps a la vie. Amen. Et maintenant, puisque la tête est Dieu, Amen. Le corps aussi c'est Dieu, Amen. Et la pousse parlera, la création aura lieu. Amen. Nous remercions Dieu. Amen. C'est pourquoi le but pour lequel Dieu vous a appelé est un but merveilleux. Amen. L'adversaire qui Satan, effectivement, nos armes, cherchera davantage à vous décourager sur ce chemin. Frères et sœurs, vous avez plus que tout que vous pouvez imaginer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Nous possédons les portes de nos ennemis. Nous avons la victoire. Alléluia. C'est pourquoi ne copiez pas le monde. C'est pourquoi ne cherchez pas des petites choses entre vous, entre frères et sœurs. Non, cherchez la paix. Amen. Soyez toujours un frère de la paix, une sœur de la paix, avec autant d'humilité, autant de simplicité dans son cœur, dans son âme, vivant simplement pour la gloire de Dieu. C'est comme un parfum qui se dégage de la rose. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous remercie. Merci.